voilà, let's go. Piatch, crevez. Ça commence super bien. R1 je crois. Ah merde. Je suis bourré je crois. Oh, oh putain. Exactement. Oh qu'est-ce que j'ai fait. Oh c'est trop swag. Fuck. Double fuck. Oh j'adore ce jeu. Fuck le feu. Fuck le feu. Alors je suis assez prudent parce que j'ai envie de me faire discretos, hein. J'ai pas envie de me faire défoncer par... En fait j'ai pas envie de me faire défoncer dès le début en fait, c'est ça le truc. Yeah. Allez, détruis-toi salope. Enfin meurs quoi. Bon on va voir dans les couilles hein. Ah, il marche bizarrement d'un coup. Putain. Oh. C'est quoi ça. Non. Non. Je suis trop loin là, je suis trop loin. Grotte, grotte. Oh la vache. Eh, je me casse moi, mais je peux pas. Oui, are the champion. Oui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Angel Fuck. Angel Fuck you. Oh putain. Putain, il veut pas mourir. Ah, ah mais meurt. Ah, il est en colère le truc. Hein. On récupère une munition. Ils sont vraiment cons, c'est là. C'est trop con quoi. Oh là là, je kiffe ce jeu. Le feu au cul. Ouais mais attends, non mais il me coupe en plein, non ça m'énerve. Allez. Oh là, trop discret, ils ont même pas pu. Oh merde. Allez hop, comment il perd sa tête, j'adore. Oui, je sais même plus de quoi du tout je parlais, enfin je sais pas. Ah, ta gueule. Oh, on dirait un saucisson au truc. Allez, je me mets toutes mes balles. Tu crèves. Mon deuxième dragon. Oh, yeah. Il veut pas crever cet enfoiré. Hop, je lui mets un petit cœur à côté. Parce que pour prouver, je l'aime bien un peu. Alors, je pense qu'il faut que je me barre. Vous savez quoi, je vais me barrer. Non, même pas. Ok. Ok, ok, ok. Yuck. Oh j'adore mettre des armes comme ça dans un jeu, dans ce jeu c'est vraiment jouissif. C'est bon. Faites-moi les malines là. Oh shit, y'a des requins. Oh y'a plein de requins. Oh la vache. Je m'en fous. Oh shit, leur super soda. Venez bande de cons. Crie mon nom, salope. Non, Doc. C'était un vrai héros américain. Chocolat, ça arrive. Eh ben, les amis, sur ce, je pense... Lorsqu'un collègue vous serre la main, c'est comme s'il touchait toutes les personnes que vous avez connues, y compris votre mère. Vous ne voudriez pas que vos collègues touchent votre mère. C'est dégueulasse.